Répondez. Répondez. Oui, ça donne quoi, Caroline? On a une piste pour les clés de décryptage du canon nucléaire. Anya? Il s'agit d'un train de transport venant du front africain. À bord, il y a le scientifique en chef du programme de super soldats dernière génération du Boucher. Il doit aller sur la Lune ce soir pour superviser le lancement des nouveaux super soldats. On intercepte le train de transport de troupes. On localise le scientifique en chef. On vole son identité et on l'utilise pour mettre Blazkowicz à sa place dans la navette lunaire. Une fois à la base, il faudra trouver les clés de décryptage et les rapporter sur Terre. Et comment on intercepte un train militaire à grande vitesse? L'idéal serait au pont de Gibraltar. Ouais, d'accord. Mais comment? C'est une idée? On peut utiliser ça. C'est extrêmement puissant. Voyons, dans notre langue, on peut appeler ça une... comment dire? Une métasphère. Il suffit de la jeter devant le train, elle suffira largement à l'arrêter. Excellent. Partez tout de suite, le train est déjà en route. La vache. Je sais à quoi tu penses, Blazko. Tu rêves, il est à moi, ce truc. Donne-le plutôt à Caroline. Regardez-moi ça. Il est monstrueux, ce pont. C'est l'autoroute nazie qui mène au front africain. Putain d'assassin. Le train ne devrait pas tarder à arriver au pont. T'as entendu, Blazko? Attends! Déployer la sphère. Bon, tout est en place, la métasphère est prête, je n'ai plus qu'à la balancer de l'hélico. Maintenant, amorce l'arme et la tout. Ça marche. Vas-y, Blazko, descends là. Il veut quoi? Il veut que je saute? Il est fou. Bute-moi tous ces nazis, Blazko. Dirige-toi vers le wagon du Nautica qui pend dans le vide. Je vais te déposer pas loin, en lieu sûr. William, d'après le protocole, le scientifique en chef du Boucher porte un uniforme entièrement blanc. Bien, Blazkowicz. Trouve un nazi qui porte un uniforme blanc et vole ses papiers d'identité. C'est ton billet pour la base lunaire. Il est dans l'un des wagons de ce train. Ils sont déjà tous morts. Ça. Ok. Oh merde, y'a rien à prendre ici. On me souhaitait la bienvenue.
tout. C'est par là qu'il faut qu'on aille. On n'en aura plus. Oula, attention. Et comment il est down? Là-dedans. Er zieht sich zurück. Ich schnappe mir. C'est un ou deux? J'aurais dit deux, moi. Plein de petits bouts dégoulinants. Notre objectif. Peut-être grimper. Attention, parce qu'il en reste pas, non? Je pense que je les aurais entendus. Ça. Voilà, le wagon de London Nautica. À l'intérieur, le scientifique en chef du bureau de l'importance pour la Lune. Je vais te chauffer plutôt l'astronome nazi. Grenade là. Où est-ce que ça résiste? Non, c'est bon.
pas mal. Ou bordel. Sniper. Là, la tourelle, attention. Putain, il y a des débris, de la fumée et des nazis partout. J'ai failli me faire plomber le cul. Ah, attends, il y a pas une sangle là. Non. Tiens, c'est marrant. Ça, c'est marrant. Merde. D'accord, donc c'est la... C'est la veille. Disparu. On recharge. Qui nous a droppé un truc sympa, Titi hein. Pas trop si c'est précis à cette distance. Hein. Carrément on lance roquette non. Hey, poste de contrôle, droit devant, fais gaffe. J'ai repéré de l'artillerie lourde sur les remparts. Est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut passer non? Le mec avec son lance roquette ne m'inspire pas confiance. Putain, il y a un mec là aussi. Une balle encore ou pas? Oh là là là, qui t'a fait mal? Il est mort ou pas? Oh, pas mort. Quel enfer! Visibilité est vraiment mauvaise. Hein.
pied. Pas très généreux hein, dans les balles de snipe. Oula! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un peu nombreux là. Donc lui il est toujours pas mort. Peut-être recharger. Hein. Son classique. Donne pas. T'es vu hein, avec ton nom. Ça viendra pas de par là. Bientôt arriver à notre wagon. Je crois que j'ai trouvé un endroit où je peux te déposer. Ce sera plus près du wagon. Traverse le poste de contrôle et faufile-toi sur la passerelle qui court sous le pont. Je viendrai te chercher là-bas. Avec tous ces ricochets, il était encore en... Je sais que je tire de loin, mais quand même. Foutu un beau bordel dans la pièce.
tu y en a qui sont là-haut. Putain. C'est ok ou pas ok? Ouh, il y a eu un vilain headshot là. Il m'a fait peur. Hein. Oh là. T'es mort, tu sale Frankenstein de mes deux. Oh. Tu vas pas me lâcher maintenant, Blasco. Amène-toi. Oh, putain. Tu sais, j'en ai vu des andouilles dans ma carrière. Des morveux avec plus d'assurance que de bon sens. C'est pas les cinglés qui manquent. Ils ont une grande gueule. Mais jamais rien derrière. C'est ça que j'aime chez toi, Blasco. T'es le plus taré de tous. Et t'as pas peur de nous le prouver. Toi, t'es né pour buter les nazis. Allez, Blasco, au boulot. Descends. Je vais survoler la zone et je viendrai te chercher quand t'auras trouvé le scientifique en chef du boucher et sa carte d'identité. Cherche un vieux stock en uniforme blanc. Un peu peur qu'il m'attaque quand je... Ok. Vous êtes calmé. J'ai toujours peur d'un Kinder surprise. Comme ça. Oh là. Oh putain. J'ai les papiers. Et maintenant? On n'a pas de temps à perdre. La navette part ce soir du London Mythica. Tu auras besoin de ton équipement là-haut, mais tu devras le mettre en soute. Impossible de le prendre en cabine. Tu vas devoir faire profil bas. Il faudra sans doute que tu fasses une petite toilette. Et une petite sieste aussi. Une fois à la base lunaire, tu devras récupérer ton équipement dans la zone des bagages. Ensuite, tu pourras partir à la recherche des clés de décryptage. Je dois trouver la zone des bagages et récupérer mon équipement.
Des camps de travail sur la Lune. Berlin, 15 novembre. De nouveaux plans pour la construction de camps de travail sur la Lune ont été révélés aujourd'hui par Dieter Lang, le responsable du projet de la base lunaire. Ceci nous permettra non seulement d'envoyer les éléments indésirables de la société loin de la Terre et des citoyens honnêtes, mais aussi de faire travailler ces dégénérés sur l'extraction de wolframite, a déclaré Lang lors de notre entretien téléphonique ce matin. La wolframite, un minerai rare qui n'a jusqu'à présent été trouvé que sur la Lune, est actuellement extraite par des drones télécommandés, mais son procédé est lent et inefficace. Les nouveaux camps de travail seraient construits dans des conduits souterrains et dotés de technologies correctionnelles presque entièrement automatisées, comme les drones de garde, les toiles automatisées pour empêcher les prisonniers de s'échapper. Dans 10 minutes, je zigouille tous ces gens croisés. Comme je pense. Pas parler avec lui ? Le scan, des infections. En constante évolution, peuplée de personnel militaire, de mineurs, d'ouvriers, de scientifiques, la base lunaire devrait avoir atteint la taille d'une petite ville d'ici 4 ans. Caroline, Anya, vous me recevez ? Blazkowicz ? J'écoute, Blazkowicz. Seth, amplifie le signal. Blazkowicz, tu me reçois ? Comment ça se passe ? Bien, je suis sur cette putain de lune. Surveille ton langage. Je lui passerai la bouche au savon. Bien. Blazkowicz, ta mission est de voler les clés de décryptage nucléaire dans le module de commandement. Tu vas devoir sortir pour atteindre le module de commandement. Et tu vas devoir trouver une combinaison spatiale. Affirmatif. Je crois en toi, William. Les combinaisons spatiales se trouvent près du SAS. Je te conseille de passer par les quartiers du personnel et ensuite de traverser les laboratoires. Là-dedans quoi. Merde. Très convaincant leur truc. Et pas fait gaffe.
C'est quoi ce merdier? Putain. Ok. Putain, j'ai déjà plus de balles. Arrêtez avec vos grenades. Caché. M'agace, hein. Ah, puis j'ai plus de. Oh là, c'est enfer. Plus de balles au moment où. C'était un gros en plus. Fusil à lunettes amélioré. C'est un peu rigolo quand même. Les classiques. Pas trop le système de visée. Il est où l'autre? Suite. J'adore nous prendre en traître, hein. Putain. T'en prends pas beaucoup de mine, hein. Aller loin. Putain, j'aime pas ça, je le vois pas et. Il va me gérer dans le dos. Le mot, je m'y attends le moins. On a foutu un beau bordel. T'es sûr qu'il était planqué comme un. La maniabilité serait pas aussi affreuse. Je l'aurais pris avant. Quand on l'a en main, on est vraiment handicapé. Hein. Pourrait recharger toutes les armes quand même, je trouve ça un peu poussif. Ouais.
Blindage, ça me prend pas de mal, hein. Du coup, je sais même plus trop par où je suis arrivé. Que je serais arrivé de là et je vais la lâcher cette arme parce que ça m'agace la vitesse à laquelle on avance. Si c'est là, non, putain, non. Ouais, dommage pour l'arme. Sont très très proches. Il devrait y avoir un tunnel de service qui relie les quartiers du personnel au laboratoire. Essaie de trouver le moyen d'y accéder, William. Putain. Je retourne pas. Son pote qui doit pas être loin. Putain, mais... Granate ! Et merde. Cet enfer de rechargement. Je sais pas où il était planqué l'autre. Combien qui crève. Schicken Verstärkung zu ihrer Position. On est reparti pour 3 heures de recharge. Donc t'es où Je pense qu'il était planqué ici, ce bâtard. Je peux pas trop rusher. Bon, il y a des caches. Hein. Putain, mais j'ai l'impression que plus j'avance, plus il... Ok. plus j'avançais, plus la distance... Alors, qu'est-ce qu'on a de beau, là? Ah, c'est pour du stealth en fait. J'aurais pu en me baladant dans les différents. Merde, j'ai ouvert à peine assez. Hein. J'aurais pu l'atteindre, bon, c'est pas grave. Ok, bravo Fred. Il a l'air de se planquer par là. Est-ce que c'est la fin de la zone? Même pas. Putain. Est-ce qu'on intrigue? Ouais, c'est par là. Puis pour mon arme.
einen Schritt weiter! Still bleiben! Verdammte Scheiße! Jamais évident de savoir hein, quand est-ce qu'on les a vraiment tous éliminés, ces petits enfoirés. Mais où est-ce qu'ils sont? J'avoue, je suis pas fier, hein. Le coup manqué là. Il est là. Par contre, ok. Je me dépêche avant qu'il voie un corps. Au SAS. Essaie de le trouver. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? C'est au bon endroit. Ça. Un vrai labyrinthe. Pff,
de cosmonautes. Bon, j'enfile une combinaison spatiale pour marcher sur la surface de la Lune. Pas de quoi paniquer. J'ai mis ma combinaison spatiale, il est temps d'aller faire un tour sur la Lune. Bienvenue sur la Lune. C'est un cratère d'impact. Bol luisant. Se péter la gueule par an. Quand le son est camouflé, ça aide pas. On peut sauter, mais c'est un saut qui est pas. J'ai l'impression que j'ai pas le choix. Hein. Ça va être le bienvenu, ça. Même si ça met des plombes. Terminer notre petit tour dans l'espace, trouver les codes de lancement. Parce que c'est un peu symétrique leur truc. Là. Comité d'accueil. Pas s'en plaindre. Je me souviens de ce jour, dans ce foutu camp. Cette femme, je la connaissais. Une forte personnalité, volonté de faire. Plus de famille, plus aucun proche. Mais elle a toujours gardé la foi. Moi aussi, je garde la foi, mais pas avec autant de certitude qu'elle. Pour moi, tout doit être remis en question pour laisser place au questionnement. Sinon, on ne peut rien apprendre. Regardez ça. Ce camp est le fruit de la conviction aveugle. C'est là que conduit la certitude absolue. Pourtant, vous êtes croyant. Je me demande souvent quel genre de Dieu peut permettre que ma souffrance arrive. Et je me demande aussi si ma foi est vraiment bien placée dans de telles circonstances. Il me met peut-être à l'épreuve. Bien, Jimson, si jamais c'est une épreuve, nous échouons misérablement. Guerrier hein, pour faire ça. Il y a un terminal contenant une base de données de cryptage-décryptage dans la salle d'opération. Trouve cette salle, puis accède à l'ordinateur et imprime les clés de décryptage nucléaire. Thank you.
Pas vu, pas pris. Pour l'instant. Bien éviter l'affrontement. Hein. Un bon choix la Fred. J'espère qu'il était que deux. Oh merde putain. Pas eu de bol, pas été bon. C'est là-haut, putain, je pense. C'est dans le module de commandement que les super soldats de nouvelle génération sont créés. D'après ce qu'on sait, tu devrais pouvoir accéder à la salle d'opération depuis cette zone. Bloc de décontamination D7. La base lunaire sert de site de test au projet de recherche technologique avancée en raison des matériaux dangereux utilisés dans ces expériences. Les blocs de décontamination automatisés sont utilisés pour nettoyer et préparer les cobayes. Grimper là-haut. Est-ce qu'il y a une grille quelque part? Pas fait gaffe. Faut que je trouve ces clés de décryptage. Inutile de s'éterniser sur ce caillou.
pas des documents à prendre. Putain, le truc bleu, ils auraient dû le faire encore plus petit. C'est bon. Je suis en train d'imprimer les clés. Bon travail, Blazkowicz. Dépêche-toi de nous rejoindre sur Terre, William. Klaus est à Londres. Il te ramènera à Berlin dès ton arrivée. Comité de sortie. On va pas nous faciliter les choses, je pense. On appréciera les deux shoots qui étaient en plein dedans. On lui est arrêté par un élément du décor. Pourquoi ils veulent remplir ? Ah, c'est mieux. Avec de la musique. Oui. Problématique cette affaire. Putain, il n'y a pas d'arme lui. Qu'est-ce que c'est que je t'en mange? Bah non, il était resté caché.
Allez, une station s'il vous plaît. Tout à l'heure il y en avait une tous les... Putain. Tous les 50 cm, c'est pas le moment de les exploser. On est plein. De voir s'ils étaient sur moi ou pas. Ils sont pas loin. Faire les morts. C'est dans le tout à l'heure, non? Que ce soit découpé aussi proprement, c'est du travail que j'ai fait. Au début de la mission, j'avais dit que je reviendrais pour le tuer. Charger avant d'avancer parce que je me mets le comité d'accueil. Grand finish. Putain, qu'est-ce qu'il y a ? Non, 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 non. C'est dingue. Je vais le mettre encore plus loin. Et là, il n'y a personne. Bon, comment c'est pas possible, ils vont pas me laisser partir comme ça. Putain, y'en avait un là. Ça a l'air d'être assez efficace quand même sur le premier. Ok. Ça va, il est pas trop d'humeur grimpeur. Le London Nautica a ouvert le feu! Je crois qu'il te vise! J'ai vu le
soleil se couchait sur les cinq continents. J'ai vu la Terre depuis la surface de la Lune. Ça a fait atterrir ça, genre.